mai giro un flamiro la lila carin va cerca mio giro un flamiro la lila carin va cerca mio. Posible tan solo agua. Sí, 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 sí. Campament de Dominique, c'est l'installation des tentes de pêche pour la nuit, parce qu'on pêche mieux la nuit que le jour. Et qu'est-ce que nous faisons ici? On marchait au bord du canal et on a été invité à manger, à boire, voilà. Après on va partir pour trouver un coin pour dormir. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it.
told me. To those shining stars, he said, go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said, one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Planta degut a l'asfalt. Il se trouve que sur la Via Francigena, elle passe à environ 20 km d'ici. Et quand on a préparé notre parcours, je me suis dit 20 km d'ici, comme j'ai des amis qui habitent ici, ce serait bien, ce serait une façon originale de leur faire un petit coucou. Et on s'est contacté et Jean-Yves, qui est par là de l'autre côté de la pièce, est venu nous chercher en voiture un lieu fixe. Il nous a amené ici, on va passer la nuit, le repas, etc. On est entre amis. Et demain, Jean-Yves nous ramènera au point exact sur le parking où il est venu nous prendre et on recommencera la route pour El Gran San Bernardo. Est-ce que vous voulez parler en espagnol? En espagnol? Alors, me llamo Catalina et que habla un poco español. Sí. Bien. Sí, pero es muy difícil para. Sí. Para pero sufrir. yo comprendo. Mejor que bien. Habla. ¿Sí? Ah, sí. Sí. ¿Entiendo? Sí. ¿Explica? No me recuerdo como retraite. Jubilado. Cuando jubilado. Cuando yo jubilado quiero caminar para la ciudad de Jerusalén. Oh, tú loco, ¿eh? ¿Yo loco? Sí, creo que sí. Yo loco. ¿De París? Que va oui. Une chaise, je crois. Que masse. Tu le comprends bien, hein? C'est la cause du 21e siècle. Je m'arrête. Stop. Dis un petit mot pour Barcelone. Si. Bonjour, je m'appelle Titouan, par exemple. Je m'appelle Titouan. Mais si, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Titouan, j'ai 11 ans. Et tu peux dire, je suis née le même jour que Joachim. Ah ouais? Je suis née le même jour que Joachim. Ah, j'ai pas de problème, comme des seigneurs. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, là, regarde.
Et, une fois que tu le fais, je sais pas. Looping es el padre de Zapping. Ah. Es su fillo. Si? Si, si. Su hijo, hijo, hijo. Hijo. Voilà. Il parle italien aussi. Mais il y a des moments où je mets aussi du, de l'italien à la place de Zapping. Fillo. Si parliamo italiano. Ecco qua. Che faccio? Ecco. Oh, oui, tout début on se parlait en italien. Esatto. Quand on s'est connu, c'était en italien que ça marchait. Attention hein. Oh, il y a des bonnes odeurs. Ouais, ça monte. Ah, là, ça monte. Ça monte. Ah, comment tu t'appelles? Quand elle a appris ça là-bas en Hongrie. Parlez, parlez. Je vous dis, je la connais que maintenant. Ça fait 3-4 ans. Si tu dis ton âge, dis bonjour, je m'appelle Coralie. Il y a très longtemps. Si, si. C'est pour faire plaisir, comme ça, il m'a montré ses enfants. Elle est gentille comme tout. Ok. J'ai mis sur mes genoux. Elle est timide. Elle avait, voilà. Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis connue, elle avait cet âge-là. Maintenant, elle est mère de famille avec un fils qui passe son bac. Bonjour. Une petite explication. Une explication. Qu'est-ce que c'est? Alors, des côtes de porc marinées. Avec sauce tomate, herbes, oignons, du sel de Vendée, du gros sel de Vendée avec des herbes et des épices. Voilà. Alors ? C'est des pommes de terre que tu manges avec la crème fraîche, là. Avec la crème fraîche. Très bon. C'est de la crème fraîche avec de l'ail, du persil, de la ciboulette, des herbes. Et ça, c'est une spécialité de chez nous ici. C'est des boudins blancs. Donc voilà. Totalement. Et puis je connais, hein. Bon. Moi j'ai toujours eu ce problème-là. Avec le marathon, j'ai connu ça aussi.